grand studio RTL. J'aime bien mélanger les choses et surtout j'aime bien m'amuser avec les chansons. C'est le principe de mes spectacles. Donc là, je me suis dit, je vais faire un truc juste pour le Lolo. C'est vrai, j'ai fait juste pour toi. Et j'ai pris plein de trucs qui sont dans mon spectacle et plein de mariages que j'ai fait entre chanteurs et chanteuses. Alors, par exemple, tu vois, je m'amuse. On parlait de Goldman tout à l'heure. Ouais. Et ben, moi, Goldman, je l'aurais bien vu avec Queen, tu vois, avec Freddie Mercury. Et tu vois, ça. Ouais, regarde, ça donne ça, regarde. Allez-y, vas-y! Saigné sur les Gibson, j'ai trop rôté dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. Christelle Chalet, c'est énorme. Le Queen avec Jean-Jacques Goldman. Encore un peu de bruit, s'il vous plaît, le grand studio. Il y a de la voix, il y a du talent sur scène. Alors, pas seulement parce qu'elle fait rock, pop, soul, elle peut tout mélanger, Christelle. Ça peut même aller de Brassens à quoi, par exemple? Brassens et Bob Marley, si tu veux. Tu vois, ah, d'accord. On se fait ça. Bah, Brassens, ça drague. Vous connaissez les copains d'abord? Alors, c'est parti. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise. Au fond des ports, dis au fond des ports, chante mal. Il naviguait en perpétuelle ou pétard sur la grande mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les. Ok, mais tu sais, on peut faire ça aussi avec Zebda, par exemple. Tu vois, pour acheter Brassens. Ouais, ouais, regarde. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pour luxe, des gens de Sodome et Gomorre, de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie sur le ventre, ils se tapaient fort les copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cœur, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient dans les fraises, leur balançaient les deux sorts. On aurait l'idée, c'est ma forlée. Copains d'abord, on aurait l'idée, c'est ma forlée. On aurait l'idée, c'est ma forlée. Ah, c'est pas mal ça avec Zebda. Génial, magnifique Christelle Chalet. Et ça, c'est du spécial pour son grand studio humour sur RTL. Bien qu'elle nous fait ça évidemment en direct avec ses deux musiciens, Brice et Raphaël. Mais pas seulement. Par exemple, Clo-Clo, tu pourras nous faire du Clo-Clo, alors, mais tu feras avec quoi? Bah écoute, Clo-Clo, moi je lui trouve un petit côté Britney Spears. J'ai toujours trouvé ça, toi. Je sais pas, la danse, tout ça. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas un truc comme ça? Attends, je vais essayer de mettre la chorégraphie dedans aussi. Tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, même la nuit. Je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est drôle, c'est magnifique ces mélanges, j'adore ça. Alors pour finir, tu pourras nous proposer un quoi? Un mélange anglo-saxon-français comme tu fais Et ou... surtout, c'est,
c'est mes deux regrets en fait. Je suis toulousaine, dis-moi. Tu sais, mon grand regret, c'est de ne pas avoir vu Claude Nougaro en scène, parce que je suis évidemment fan de lui, et j'ai raté le dernier concert de Michael Jackson. Voilà, donc voilà. Oui, comme vous aussi. Ah bon, merde. Alors, donc voilà, je me suis dit, les deux là, mais la bombasse. Ah, t'as raison, oui. T'as, tu... Ah bah alors.